Galemolo, il est vraiment, vraiment dur. Allez, on va essayer l'X-Max Pitwide. Ah ouais. Ouais. C'est le cerveau d'origine. Wow. Ouais. Ouais, il se rattrape. Ouais, putain, le clac-clac, on l'entend. J'ai tiré super fort les roues. Ouais. Et j'ai modifié un peu, c'est que les axes de 24 mm qu'il y a dans les roues. Ouais. Bah là, ils sont en métal, ils sont pas en plastique comme d'origine. D'accord. Putain, par contre. Vas-y, il est génial. Ouais. C'est comme ça que j'ai repris goût au crack. Il faudra lui mettre un cerveau ou un le ressort, ouais, il faudra lui mettre le cerveau option. Ah bah c'est ce que je ferai plus tard je mettrai le 24. Ouais, j'ai ouais. Pas une grosse amélioration. Ouais, donc. Ouais, j'ai. Il y a un caillou qui saute à chaque fois. J'essaye de comprendre. Parce que j'ai tout bien remonté. Et que là-bas au jeune ça le faisait pas. T'as vu un... ouais. À chaque fois il y a un caillou qui saute. C'est un caillou qui doit taper par contre. Ça m'étonne quand même. C'est toujours le même bruit. Ça va pas être le même caillou quand même. Tiens. Je sais pas, il vole à chaque fois. Tiens, voilà. Là-bas il fait. Là il fait pas. Tiens, là il refait. Je vais tourner dans l'autre sens. Un petit tour dans l'autre sens, c'est bon. À gauche, non ? Bah justement, je vais voir en tournant dans l'autre sens ce que ça dit. Tiens, tu vois, ouais. Bon allez, ok. Ouais, c'est pas mal. Faudrait le comparer avec un X-Max normal au même endroit. Bon, le mien il est en 4-2, donc ça va pas être possible, mais. Il faut quand même comparer un peu quand même. Bah non, moi je glisserais beaucoup plus. Voilà. C'est. Voilà. Voilà, X-Max Wide. Allez. Bon.